Messieurs, dames, bonjour, bonjour à tous et tout de suite. Oh, Bloodborne. Et je remercie l'un de mes abonnés qui m'a conseillé, ou l'un de mes... Je crois qu'il est abonné, je ne suis pas sûr. Qui m'a donné ce petit conseil, alors je cherchais dans la vidéo précédente à ouvrir... Hop, le couteau suisse, de cette manière, pour faire des coups bien plus violents. Voilà. Et il me l'a indiqué, m'a donné ainsi aussi quelques petits conseils. Bref, on va continuer cette vidéo d'intro, de présentation. Vous avez été quelques-uns. Alors tout de suite, alors on va déjà partir à Yharnam. Et on va partir dans le centre. Voilà. Je disais donc... Non. Vous avez été quelques-uns à me répondre et à me dire que ce serait bien que je fasse un playthrough. Du coup, j'ai décidé d'en faire un. D'une part parce que ça me plaît de commenter ce jeu, parce que le jeu est vraiment cool, le jeu est sympa, agréable à jouer. Voilà, c'est comme ça, les esquives. Et bim, ça fait beaucoup plus mal, j'ai l'impression, de cette manière. Donc effectivement, on va faire le jeu en playthrough, c'est sûr. C'est dit, c'est fait, je m'engage. Wow, j'ai eu très chaud là. J'ai eu très très chaud. J'aimerais bien que t'attaques, mon gars. Voilà. Oh, une balle de vif argent, très bien. On va farmer un peu. On va farmer un peu le blood, le sang. Oh, très efficace, j'aime. Très bien. Ouh là là. Ré. On va farmer un peu tout ce sang. Toi, tu montes là-haut. Allez, viens là. Et ne fais pas ton fourbe. Allez. Déclenche ton attaque. Ouh. Très rapide. Voilà. Excellent. Voilà. Donc je disais... Oh, fiole de sang. Bon, on va en profiter pour se soigner. Hop, voilà. Galet. Voilà, on va éviter de gaspiller les cocktails Molotov, comme m'a dit justement cet abonné. Parce qu'ils allaient être précieux, je ne vous dirai pas pourquoi, pas de spoil. On va continuer un peu à avancer, à explorer, à essayer de farmer tout cet argent. L'argent du bonheur. Et on va... Enfin, je me sens confiant, hein. Je suis... Je suis dans la confiance. Alors, on va juste voir comment ils sont morts, c'est... Ok. Il a l'air un peu violent, quand même. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va un petit peu évaluer ce qu'il peut faire. Oh putain! Il est effectivement très rapide. Wow! Je ne pense pas que ce soit déjà. Voilà. Ouh là là. Allez, on va essayer de se le faire. Voilà. Là, c'est à base de beaucoup d'esquives, hein. Non! Lâche-moi! Ouh! Voilà.
Allez, viens là. Je connais pas encore tout. Il fait très mal. Oh non, au mauvais moment. Voilà. On est en train de gaspiller notre vie d'une manière honteuse. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on abandonne? On a déjà la moitié de sa vie, on va essayer de le faire. Ouh. Non! Ah, tant pis pour les cocktails. Ouh, ça fait mal, ça. Allez! Crève! Infamie! Voilà. Hein? Infamie. Contact pour Game Sanglante, joyau semblant. Bon, écoutez, on a gaspillé beaucoup de matériel, on va voir ce que ça a donné. On va voir si ça a été utile. En tout cas, il m'a filé beaucoup de sang. Mais j'avoue avoir un peu chié dans la colle pour le coup, mais c'est pas grave. Au moins, on aura vu ce qu'il nous donnait. Forcément, il n'y a aucun accès par derrière. Hein? C'est pas grave. On continue. On continue. Oh putain. Il m'a un peu surpris, lui. Ils sont très rapides au niveau du... Voilà. Ils sont bien plus... Ils sont assez rapides au niveau de la torche, c'est ça qui est gênant. Alors je m'excuse, il y a un petit peu... Il y a les pompiers qui passent, comme d'habitude, c'est chiant. Ils font bien leur boulot. Hein. Et on continue ce petit gameplay découverte. Qui est en fait le début du playthrough. Hein. Mais bon, comme j'ai dit que j'allais faire deux vidéos de gameplay découverte, d'abord on fait les deux vidéos de gameplay découverte et faut pas déconner. Allez, viens, attaque. Voilà. Fiole de sang. Très bien. Pour l'instant, ils nous lâchent pas mal de choses, les ennemis. Hein. C'est plutôt appréciable. Est-ce que je suis... Ah, j'ai bouffé, hein, j'ai plein de sang sur moi, j'ai pris bien cher. Alors, la personne qui m'a donné quelques conseils m'a aussi dit que le pistolet, voilà, pouf, servait à interrompre les attaques des ennemis surtout. Je le remercie aussi pour ce conseil, que je suivrai de la manière la plus assidue possible. On va voir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Des choses à découvrir. Ah, c'est étonnant, le loup-garou n'a pas réapparu. Très bien. C'est pas grave. Enfin, c'est tant mieux même, je dirais. On va aller de ce côté. Parce que c'est un côté qu'on n'a pas exploré. Par contre, je ne sais pas comment accourir. Ah si, je sais comment courir. Voilà. Vous êtes en train de chasser? Dans ce cas, je suis navrée, mais je ne peux pas ouvrir cette porte. Je suis Yosefka. Les patients de ma clinique ne doivent pas être exposés à l'infection. Je sais que vous chassez pour nous, pour notre ville, mais je regrette. Prenez ceci. C'est tout ce que je peux faire. Très bien. Maintenant, okay. Partez et bonne chasse. Bah, moi je trouve ça légitime. Hein. Elle nous donne un truc, c'est sympa. Donc on va continuer à chasser. Et on a quasiment assez d'argent, enfin de sang, mais c'est l'argent du jeu, pour aller ramasser le reste du matériel, le matériel maudit du désespoir, pour qu'on ait la tenue complète de chasseur. Et j'aimerais bien voir aussi si on peut acheter des cocktails Molotov, parce qu'ils me sont bien utiles. Et les fioles, je sais plus si elles se rechargent automatiquement ou pas, au pire on les farmera. Oh, il m'a fait un peu peur. Hein. On les fermera un peu. Ce qui est étonnant, c'est que là, il n'y a pas de passage. Pas du tout. Parce qu'on nous donne l'accès à cet endroit. Mais on nous permet pas d'aller plus loin. Oh, c'est pas grave. Il doit y avoir quelque chose. Ou alors c'est juste pour voir. Ouais, c'est juste pour voir ça.
Ce que vous avez pu voir aussi sur la chaîne, c'est les premières vidéos PC qui arrivent. Et ça me fait extrêmement plaisir que ce soit le... J'ai cru qu'il était revenu. Que ce soit le cas, parce que... parce qu'en fait, je me suis vraiment documenté à fond dessus pour voir comment tourner sur PC correctement. Voir si mon PC tenait la route pour tourner avec. Finalement, ça se passe plutôt bien pour les jeux 2D. Les jeux 3D, j'ai pas encore essayé. On verra. Peut-être pas des jeux trop lourds, parce que mon PC, c'est pas non plus une bête de guerre. Et ça prend... Voilà. Ça prend quand même de l'espace. Ok. Enfin, c'est gourmand d'enregistrer sur PC. Je pense que vous vous en doutez. Coucou. Excellent. Oui, c'est effectivement assez gourmand de jouer sur, de tourner sur PC, ce qui se comprend. Oh putain! Je l'avais oublié celui-là. Vraiment pas. Vous voyez, j'étais distrait, j'avance tranquillement, puis il y en a un qui surgit. Hein, c'est comme ça qu'on joue. C'est comme ça que ça se passe. Celui-là ne me plaît guère. Oh putain! Les bâtards. Libéré, délivré. Non. Ah, ces enflures, hein, ils vous attaquent à la torche. C'est assez gênant, hein. D'où il vient, lui? C'est pas grave, on les gère. Voilà, on les gère comme ça. Le fait de loquer, c'est vachement bien. Mais c'est super dangereux aussi. Faut pas que je m'approche trop près d'eux, ils sont chiants avec leur torche. Ok, faut pas que j'oublie ça. Putain, mais il venait d'où lui? Ok, il y en avait deux autres. Voilà. Bon, ça devient vraiment agressif. Et d'où ils viennent tous ceux-là? Voilà. On est d'accord, ils étaient pas derrière avant. Bon, c'est pas grave. On va ramasser tout ça. Oh, deux fioles de sang, bah bordel. Cocktail Molotov, c'est très bien. Et on va avancer un peu, en espérant qu'il y ait un feu pas trop loin. Autre que celui-ci, si possible. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport au jeu PC que je tourne, c'est que j'ai énormément de jeux indés que j'aimerais vous faire découvrir, du coup... Oh bordel! Ça, ça me plaît largement pas. Voilà. Maintenant, il nécessite beaucoup trop de coups pour les achever. Alors lui... Comment je vais faire pour le tuer, lui? Non, foutez-moi la paix. Bim. On a un deuxième là. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, lui il me fait chier mais je suis à peu près à l'abri. Comment? Un boss déjà? C'est peu rassurant. Ah
Très honnêtement, je suis pas trop rassuré par la situation là. Oh, le chien ne me rassure pas non plus. Ouais, allez, viens, attaque-moi. Voilà. Je suis silencieux. C'est la galère. Attaque-moi, bordel! Je t'attends! Allez, Jean-Pierre! C'est par là! Ah, il a du mal, le chien. Ah, là, il y a quelque chose là-bas. Ce serait complètement con. Je vais regarder un peu derrière. Ce serait complètement con que je perde tout le matos que j'ai ramassé. Très bien. Du coup, je vais vachement faire attention quand même. Oh, le chien bug! On va récupérer tout ça. Oh putain! Même en bugant, il arrive à être dangereux. Tiens! Petit bug du jeu, c'est pas bien grave. Plutôt bon pour moi. Est-ce que j'ouvre cette porte? Non, je dois pas ouvrir cette porte, c'est beaucoup trop dangereux. Je vais essayer de trouver un feu d'abord. Putain. Soyez prudent avec le monstre, oui bah genre. Non, c'est un piège. C'est un piège. Je veux pas, on va pas y aller tout de suite. Y'avait pas un autre mec là qui m'attaquait de manière fourbe et gratuite? On va fouiller tous les environs. Ah là y'a du matériel. Ah bah voilà, je me disais aussi. Fiole de sang. On va pas passer à côté de ce genre de choses. C'est moi ou ils apparaissent après? Ouais, c'est pas grave. Par ici, y a pas de passage. Voilà, au moins on en est sûr. On peut pas récupérer ça, non. On va passer par l'autre côté, par derrière. Parce que franchement, je suis largement pas rassuré par ce qu'il y a derrière la porte. Et j'ai pas envie de me le faire tout de suite. Il y avait pas un autre mec là, franchement. Il est passé où ce con? Je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal pour l'instant, on essaie de pas trop gaspiller les ressources. De quoi? Pourquoi j'ai perdu de la vie? C'est pas grave. Ah non, finalement il est là. D'accord. Un feu? Non, c'est pas un feu. Ce serait trop beau. Fiole de sang. J'imagine que vous n'êtes pas d'ici. C'est pas de chance d'être dehors une nuit de chasse. Oh, pauvre petite chose. Salope. Je suis plein de sang. Là, il y a des choses qui ont pas l'air bien gentilles. On va pas trop s'en approcher. Je suis d'avis à ce qu'on aille acheter un peu de matos. Non, je suis d'avis à ce qu'on teste un peu le boss d'abord. Et rapidement. Juste un peu, pas trop. On va récupérer le matériel là. Et on se laisse une voie de sortie pour s'échapper au cas où. Rosée de nécrosant, très bien. Voir à quel point il est sensible. À quoi il est sensible? Bref.
ça, mais je vais peut-être le finir même alors. Je suis pas sûr d'être capable de le finir là tout de suite, mais on verra bien. Voilà. Les chiens fantômes, ça me plaît pas. Non ! Oh putain. Oh putain. Vous sentez pourquoi je suis pas prêt ? Wow. Je désapprouve totalement ce qui se passe. Viens par là. Il me dirait ça me laisse le temps de faire ça. Une torche, un cocktail Molotov. Moi ça me plaît. Ouah, ça lui fait tellement mal. Bon bah écoutez, c'était gratuit. Mais je pense pas que c'eût été un boss. Fiole de sang. Bon bah les amis, ça se présente plutôt très bien hein. Voilà. Oh mais c'est appréciable. Je me fais plaisir. Et je pense que ça soit. Oh putain. Les chiens là sont assez violents mais ils font pas trop mal. Oh, 6 fioles de sang. 6 fioles. Est-ce que c'est normal? On va aller là-haut pour voir s'il n'y a pas une petite torche, quelque chose, ça serait sympa. Ah, ça me plaît pas. Ça empêche le monstre odieux. Un loup-garou. Non, on est bien trop faible. Je me casse. Cassos! On ne fait pas le poids. Cassos. Il nous suit pas? Non, il nous suit pas. Enfin, on ne fait pas le... Meurs! D'accord, je comprends à quoi servent les... Non! Par contre, là, on se casse. Vraiment. Vraiment. Très loin. Ne nous suis pas. Est-ce qu'il s'arrête de nous suivre au bout d'un moment? Je stresse là. C'est quoi ça? C'est des loups? Allez, provoquer un petit coup pour voir. Mais là, on a déjà fait pas mal de choses et je serais presque d'avis de retourner au feu. D'accord, ils sont pas trop dangereux. Wow. On se calme tout de suite. Ginette, on se calme. Jarre d'huile. Il y a un gros machin dans le coin.
un truc pas beau. Ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien avoir... J'aurais bien aimé qu'il y ait un feu dans le coin. Mais les loups-garous ne me plaisent pas. Et j'ai presque plus de cocktail Molotov. Est-ce qu'il est reparti? Parce que les cocktails, c'est la vie. Les loups-garous, c'est la mort. On va s'éloigner un peu. On sait pas faire repérer. Là, il n'y a rien. J'adore les décors. Les décors sont merveilleux. Qu'est-ce qui se passe par là? On va voir. Toi, sérieusement, on pouvait monter par là? C'est quoi cet endroit? Oula. Dit rien qui vaille. Il y a des bruits bizarres. C'est, bon. C'est passé. Fragment de pierre de sang, très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le message? Oh, la pierre de sang. Mm-hmm. Fragment de pierre de sang. On va voir à quoi sert cette pierre de sang. Je ne sais absolument pas à quoi sert cette pierre de sang. Galet. Très bien. C'est tout? Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Est-ce que la pierre de sang, c'est pour nous donner des X? Alors, il y avait... Mais c'est très bien. Alors, est-ce que si... Est-ce que c'est tellement bien que ça? Est-ce qu'on y va? Allez, go. Très bien. L'agilité... Par contre, les rats, je les aime pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Parce que les rats... Les rats sont très violents. Dans le sens où ils font très très mal. Et je crois qu'on est un peu dans la dèche, là. On s'est foutu dans la merde tout seul, les amis. On peut plus retourner là où on était. On peut? On peut, j'ai rien dit. On va descendre un peu pour voir. J'ai peur de descendre et de plus pouvoir remonter. Bon, c'est pas grave, on va voir quand même. Y a quoi là en dessous? Bon, écoutez, en fait, non. Je ne porte pas mes couilles. Est-ce qu'il n'y a pas un feu dans le coin? Putain, il n'y a pas de feu. Hein. Je ne porte pas mes couilles, on va aller explorer ça plus tard. D'accord? Là, on va remonter et on va dépenser tous les sous-sous de sang qu'on a récupéré. Ce qui fait déjà un beau pactole. En plus, on est plein de sang, c'est dégueulasse. Et on va aller récupérer des cocktails Molotov et compagnie pour passer les loups-garous. Les loups-garous qui sont chiants. Fait pas trop mal, un peu, ça va. C'est pas insupportable. Très bien. Écoutez, on a bien progressé. Non, je croyais qu'il y avait des choses à récupérer. On a vachement bien progressé, hein, ça fait plaisir. Oui, on court parce qu'on sait qu'il y a plus grand danger. Quoique, ces bruits-là ne me rassurent pas. Excellent. On a un petit peu progressé, ça fait plaisir. Sachant que cet épisode, le gameplay découverte là, ça fait toujours partie de... Enfin, c'est toujours un gameplay découverte, mais les deux épisodes de gameplay découverte composeront le tout premier épisode. Hein. Vous aurez un long premier épisode, ça fait plaisir. Et on va tout de suite retourner dans les rêves du chasseur. On prend ça, et on y va. Et il faut que je m'apprenne à plus me servir de mon pistolet comme d'un... Ça, en gros, ça stoppe les attaques des ennemis. Il faut que je commence à prendre les réflexes.
Excellent. Poupée abandonnée, oui. Bonjour monsieur. Alors, j'aimerais obtenir... Oh, les fioles de sang coûtent pas trop... Ah, on peut acheter du molotov aussi, c'est parfait ça. Va falloir qu'on stocke du molo. Ça, j'achète. Ça, j'achète. Et maintenant qu'il nous reste 1800, on va se faire un petit stock de tout. Alors, j'ai 14 fioles de sang, vraiment? Non. 1080. On en prend 6. On en prend 2. Et le reste, on le prend en cocktail. Voilà. Et le petit galet. Pff. Allez, pour les deux trucs qui nous restent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à vendre, nous? Cocktail Molotov, on en a 9. Les fioles de sang, on en a 16 quand même. Hein. On va arrêter d'acheter des fioles de sang, on en a assez. Permet d'obtenir des échos de sang. Ah, on va encore obtenir des échos de sang. C'est parfait, ça. Urne à lancer sur une cible pour la recouvrir d'huile. Très bien. Ça, je vais la signer. À intégrer dans une arme pour la fortifier. Fragment de pierre de sang. Très bien. Coup précis. Ah, le coup précis, il est endommagé. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est juste qu'il est assigné. Torche. Ça fout de l'attaque de feu, d'accord. On va l'essayer. Et sinon, tout le reste est parti. Alors. Ça, c'est des effets personnels, on s'en fout parce que ça m'intéresse pas. Coup précis. Et à la place, on va mettre une torche pour voir ce que ça donne. Bof. Je suis pas fan pour l'instant. J'utiliserai pas assez. Trop lent. Ça c'est plus rapide. Habits. Alors, pansement souillé, on va mettre à la place des gants de chasseur de Yharnam. Et les bottes, on va mettre le pantalon de chasseur de Yharnam qui est bien meilleur sur plusieurs points. Très bien. Et maintenant, on a les vrais habits d'un chasseur de Yharnam. En plus de ça, on va ajouter. Alors, les cocktails molo, on a. On va rajouter ça. Alors, on va rajouter ça. Comment on obtient... obtenir des échos de sang. Autre stat. Niveau 10, échos de sang 6. On va voir ce que ça donne. Faire un coup pour rien, tant pis, hein, c'est comme ça qu'on découvre. D'accord, c'est juste comme ça. Très bien. C'est les pierres, c'est comme les pierres d'âme ou je sais plus comment ça s'appelait dans les sauces. Ça nous permet d'obtenir des échos de sang. Quoi d'autre? Alors. Marque du chasseur, supprime les échos de sang et se réveiller. Non. Délivrer un message, non. Je m'en fous. Jarre d'huile. Et revigore les sens et restaure une grande partie, une grande quantité de PV, les sorts de... Fiole de sang de Yosef K, on va le garder pour plus tard, parce que de toute façon, pour l'instant, on a des fioles de sang. Excellent. Et quoi d'autre dans l'équipement? Habit. Inventaire. Stat. Niveau 10. Je pense que c'est plus tard qu'on pourra augmenter les niveaux. Commande, environnement, etc. Ça, c'est... je vais voir où on en est dans l'enregistrement. C'est beau, c'est beau. J'aime ce jeu est vachement sympa. Ce jeu est stressant, mais il nous récompense. Hein. Ce jeu nous récompense. Voilà, on va mettre les galets au cas où, parce que j'ai pas envie d'utiliser. Voilà, je fais le con, j'appuie sur la mauvaise touche. Jarre d'huile. Attends, tant pis. Voilà. À chaque fois, je sais pas ce que c'est, je pense que ça nous fout un stat en plus. Ah, ce que je voulais voir. Non, inventaire. Utiliser. On peut pas l'utiliser? Je pense qu'on ira voir un forgeron pour ça, quelque chose comme ça. Non, c'est pas grave. Excellent. Alors, où j'en suis dans l'enregistrement? Très bien.
Les amis, nous sommes à un peu plus d'une demi-heure. Ça nous fait un épisode découverte en tout de plus d'une heure et demie. On est à plus d'une demi-heure là. De plus d'une heure et demie. Comment il y a des gens qui sont morts ici? Ça, je me le demande. Il y a vraiment des... Il y a des moments où on va se faire attaquer ici. Ça, c'est chiant ça. Du coup, plus d'une heure et demie, ça va nous permettre. Ça vous permet déjà de voir un petit peu comment est le jeu. Ok, ça c'était pas là avant. Bonjour monsieur. Bon, on va quand même un peu avancer pour voir ça. Vous devez être le nouveau chasseur. C'est exact. Bienvenue dans le rêve du chasseur. C'est votre demeure. Pour l'instant, je suis... German, ami de vos autres chasseurs. Votre esprit est sans doute embrumé, mais ne réfléchissez pas trop à tout cela. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. C'est oui. Pour votre bien. Vous savez, c'est ce que font les chasseurs. Vous vous y ferez. Je suis effectivement un chasseur. D'accord. On va fou. Atelier. Ah bah voilà. Réparer des armes. Réparer des objets à solidité réduite. On va regarder un peu ça, tiens. Ça fait partie. 50 échos de sang, d'accord, ça coûte de l'argent. Fortifier des armes. À l'aide de pierres de sang. Et ça la fait passer. Alors, qu'est-ce qui se fortifie? Plus 4 d'attaque physique, plus 1 d'attaque de sang. On va la fortifier, hein. Histoire de... réparer les armes, c'est bon, partir. D'accord, donc là, vous avez pu voir quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire... Oh, désolé, monsieur, j'imaginais pas qu'on pouvait casser vos étagères. Ah, d'accord, stocker des objets et récupérer des objets stockés. Pour l'instant... On va stocker. Gant de chasseur. Là. Stocker. Est-ce qu'on a un encombrement? Je vois pas d'encombrement. Non, c'est juste pour ça. Ouais, d'accord, c'est juste pour stocker. Joyau de sang apaisant. Ah, ça, je l'avais vu, effectivement. On va le garder au cas où. Je sais pas si on... Non, je crois pas qu'on perde notre inventaire si on meurt, c'est pas le cas. Vous me répondrez aux commentaires si c'est le cas. Très bien. Là-haut, et un petit bain. Acheter de la lucidité. D'accord. Pas de messager, donc pour l'instant on peut pas acheter de lucidité. Ça c'est le deuxième accès. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Un hôtel. Hôtel de souvenirs. L'outil de l'atelier est requis mais n'est pas encore disponible. D'accord. Voir les messages. Pour fuir cette horrible de mettre fin, anéantissez la source du fléau. Des monstres, d'accord. En gros, il faut tuer tous les monstres. Hein. Enfin, il faut mettre fin à la source du fléau des monstres. Pour mettre fin à ce cauchemar. Donc nous sommes dans un cauchemar. Excellent. Enfin, dans un genre de monde parallèle, cauchemar, je sais pas comment on appelle ça. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a pu voir... Ah bon, on va juste voir là-bas s'il n'y a pas des choses nouvelles. On a pu voir quelques composantes de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. On a vu déjà pas mal de choses. Ça s'ouvre pas. On a vu pas mal de choses. On a vu plusieurs choses liées au système de jeu, liées au système d'XP ou au système d'etc. Ceci, avec le tout premier épisode de gameplay découverte, constituait le premier épisode de ce playthrough que je vais faire, vu qu'apparemment ça plairait à beaucoup de personnes que je le fasse. Du coup, ce sera le cas, hein. Puis moi ça me plaît, moi j'aime jouer à ce jeu, j'aime le commenter. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas plaisir. Hein? Exactement. Bref, j'espère que ça vous aura plu, je veux juste voir quelque chose d'abord. Ça répare que les armes, il n'y a pas besoin de réparer l'équipement. Non, effectivement, il n'y a pas besoin. Bref,
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. À la prochaine dans ce qui s'appellera l'épisode 2 du playthrough. Épisode 2, parce que ça c'est l'épisode 1. Du playthrough de, tout simplement de Bloodborne. Bloodborne qui s'annonce très bon. Hein, un système de jeu basé non plus sur des boucliers et des parades, mais sur hop, des petites esquives, des attaques au pistolet pour bloquer, des choses comme ça. Bref, j'espère que tout ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et au prochain épisode. Salut tout le monde!